Bonjour mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Je communique TV sur YouTube. Maintenant, on va voir vocabulaire. Si vous avez bien sûr mon cahier de vocabulaire de la classe CE2, ouvrez à la page 32. Vous avez bien sûr la galerie marchande. Vous avez pas mal d'activités qu'on va faire aujourd'hui. Allons-y. Alors, on commence. L'escalateur, voici l'escalateur. La porte automatique, voici la porte automatique, c'est 4. Le plan, voici le plan du supermarché, 5. La caisse, voici la caisse, c'est 6. Et voici la caissière. Alors, voici la caisse. Magasin, la verrière. Voici la verrière. 2. Le magasin, le plan, là. Après c'est le caddie, c'est 10. Voici la verrière, on a déjà vu. Voici les toilettes, c'est 7. Le parc, etc., c'est 8. Voici donc le supermarché, c'est 9. Voici le magasin. Tiens. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Le magasin, voilà, c'est ce qu'on appelle le magasin ici. Et la verrière, ça ce qu'on appelle la verrière ici. L'escalateur, la porte automatique, le plan, la caisse, toilette, le parc, etc. Le supermarché. L'enfant. Et voici ce qu'on appelle le caddie. On passe à autre chose maintenant. Alors, voici la suite. On peut mettre ici des croix. Coche tous les mots qui ont rapport avec la galerie marchande. Par exemple, une caissière. Oui. Un vendeur. Un distributeur. Le surnom. Une chevron, bien sûr. Le prix, une carte de crédit et une étiquette de prix. Voilà, une caissière. Voici une caissière, par exemple. Une vendeur ou une vendeuse ou un vendeur, celui qui vend, bien sûr, des marchands. Un distributeur, celui qui fait la distribution. Le souk, ça n'existe pas. Ça existe uniquement dans le village, dans un village. Une chèvre aussi. Le prix, oui. Alors chaque produit a un prix fixe, une carte de crédit et une étiquette de prix. Voilà. Alors on doit ajouter trois mots à cette liste. Par exemple, la caisse.
par exemple les rayons. Ici, par exemple, les soldes. Voilà. Ajoute trois mots à cette liste, les mots qui ont un rapport avec la galerie marchande liée à la caisse, la caissière, les rayons et les soldes. C'est des prix soldés. On passe à autre chose maintenant. On passe à la page suivante. J'enrichis mon vocabulaire, je coche le synonyme du montant gras. Par exemple, quel est le montant de cet article? Est-ce que c'est ticket, prix ou magasin? Alors la bonne réponse, c'est le prix. Mon chariot est plein à craquer. Est-ce que c'est caddie, sac ou panier? Bien sûr, c'est caddie. Mon chariot est plein à craquer, c'est la caddie. Je souhaite payer avec ma carte bancaire. Ce ticket de caisse ou prix ou carte de crédit? C'est bien sûr carte de crédit. Nadia aime bien se promener dans les allées du supermarché. Les allées, ça veut dire les rayons. C'est pas les caisses ou entrepôts, non, les rayons. Quel est le prix de cet article? Ça veut dire quel est le montant de cet article? Mon chariot plein à craquer, ça veut dire ma caddie est pleine à craquer. Je souhaite payer avec ma carte bancaire, ça veut dire je souhaite payer avec ma carte de crédit. Nadia aime bien se promener dans les allées du supermarché, ça veut dire les rayons, tout simplement. On passe à autre chose. Je barre l'intrus dans chaque famille de mots et encadre leur avec. Par exemple, vendeur, vente, vendre des caisses, crasse, caissière, encaisser. Et magasin, un magicien, magasin, magasinier et magasiner. Achat, acheter, achever, acheteur. Alors, barre l'intrus dans chaque famille de mots et encadre leur avec. On va d'abord barrer. Par exemple, ici, vendredi. Ça n'existe pas ici, vendredi. Caisse, casse. Ça n'existe pas, casse ici. Ça n'existe pas, magicien ici. HV. Ça n'existe pas, HV ici. Alors, j'encadre. Par exemple, Alors, vendeur, vendre, vente. Alors, caisse. Voilà. Magasin. Achat, voilà, c'est ça. Alors reste la dernière activité. Coche le sens du mot souligné. Alors ici, à la fin, je coche le sens du mot souligné. Par exemple, j'ai trouvé ce produit au rayon épicerie. Ça veut dire ligne qui part d'un centre lumineux. Ou aller d'un supermarché. Bien sûr, c'est un aller de supermarché. Alors, je pense que c'est la bonne réponse. C'est aller d'un supermarché. Tu peux passer à la caisse moins de 10 articles. Endroit où l'on paye des achats ou grande boîte. Bien sûr, c'est l'endroit où l'on paye ses achats. Tu viens avec moi faire les soldes. Ce qu'il reste à payer, vente de marchandises à prix réduit. Bien sûr, vente de marchandises à prix réduit. Ce sont les soldes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mes chers élèves. J'espère que cette séance était très intéressante pour vous. Alors, rendez-vous donc pour la prochaine vidéo. Au revoir.